Bougez plus! Je sais que vous êtes ici! Je vous ai vu sur la caméra de surveillance! Vous êtes à l'étage! Oh là là, c'est pas possible, encore des voleurs chez nous! Eh oh! Je vous ai vu! Je sais que vous êtes monté, je vous trouverai quoi qu'il arrive, vous ressortirez pas de cette maison, et encore moins avec nos affaires! Y'a personne ici, peut-être dans la chambre de Lily Rose. Salut à tous ses amis, j'espère que vous allez bien. Moi là ça va pas. Heureusement, j'étais à la maison, là j'étais en train de jouer sur l'ordinateur, j'étais en train de jouer à Roblox. Et là, je vois la caméra de surveillance qui sonne sur mon téléphone. Y'a quelqu'un qui est rentré. Il y a quelqu'un qui est rentré dans notre maison. Directement, il s'est dirigé vers l'étage, vers la chambre de Lily Rose, vers cette chambre-là aussi. Et là, je vois pas où il est. Il y a quelqu'un? Si vous êtes ici, la maison était pas vide. Vous avez choisi la mauvaise maison. Rien dans la salle de bain. Et franchement, en ce moment, on a trop peur. Il y a des voleurs dans tout le quartier. Nos voisins, ils se sont fait voler toutes leurs affaires pendant qu'ils sont partis en vacances. Et là, comme par hasard, il y a quelqu'un qui arrive chez nous. Votre dernière chance de partir de cette maison. Si je rentre et que vous êtes là, j'appelle la police. Y'a quelqu'un? Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Rien, non, mais vous étiez en train de fouiller le placard là? Non, rien. Je vous ai vu. Vous êtes pris en flagrant délit. Je vous ai... Non, écoutez. Ne t'inquiète pas. Là, j'ai même pas envie de rigoler, monsieur le... Je ne rigole pas. D'ailleurs, attends, une personne âgée comme vous, une personne aussi âgée que vous qui volait dans les maisons des autres, c'est n'importe quoi. Je ne vole pas. Ouais, vous volez pas. Mais vous étiez en train de faire quoi? Ne t'inquiète pas. Non, avouez là, vous pensiez que la maison était vide. Laissez ça fermer. Vous pensiez que la maison était vide. Vous vous êtes dit, je vais voler tout ce qu'il y a à l'intérieur pendant qu'ils sont au travail, pendant qu'ils sont à l'école. Bah ça marche pas, moi j'étais dans la maison, j'ai tout vu sur la caméra de surveillance. Bah oui, donc tu m'as vu en train de faire quoi exactement là? Ah bah je vous ai vu en train de monter l'escalier. Oui, et puis c'est tout? Eh oui, bah oui, c'est tout. D'accord. Et alors, vous êtes qui? Ah, vous allez m'expliquer qui vous êtes? Je peux pas te dire qui je suis. De toute façon, j'appelle la police. Non, mais c'est... Allez. J'appelle pas la police. De toute façon, la maison est fermée à clé. J'ai tout fermé à clé. Allez. Non. Qu'est-ce qu'il a volé? Parce qu'il s'est dirigé directement dans la chambre de Lily Rose. Là, ça fait qu'une minute qu'il est dans la maison. Hein, donc, il a pas pu prendre grand-chose. Bon. Là, je pense qu'il a rien pris. Ici, qu'est-ce qu'il a pris? C'est quoi ça? Pourquoi il y a un lutin farceur dans la chambre de Lily Rose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça fait là? C'est une blague! Oh, les lutins farceurs, pour ceux qui connaissent pas, c'est une catastrophe! Attends, j'espère que c'est pas lui qui a déposé des lutins chez nous! C'est quoi ce truc? Pour ceux qui savent pas ce que c'est les lutins farceurs, là en plus c'est bientôt Noël. Noël c'est dans 2 mois et il commence déjà à arriver dans toutes les maisons de France, c'est un truc de fou. En gros les lutins farceurs, bah comme vous le voyez c'est des petits lutins comme ça, qui ressemblent à des lutins de Noël, à des lutins du Père Noël. Et en gros bah, ils viennent chez vous, vous les ramenez chez vous, ou des gens les ramènent chez vous. Et ensuite ils profitent, la nuit ils font plein de bêtises, ils vous surveillent, ils font plein de... Ils vous gâchent la vie quoi, c'est infernal. Attendez, je suis en train de penser à un truc. Faut que j'aille voir le vieux monsieur là. Le vieux monsieur, il vous fait pas penser à quelqu'un? Eh oh, vous êtes où monsieur? Monsieur le voleur là, vous êtes où? Vous êtes où? Eh, qu'est-ce que vous faites là? Eh oh, non. Non mais qu'est-ce que vous faites dans notre congélateur? Rien du tout. Montrez-moi. Non, faut pas regarder. Qu'est-ce que vous faites dans le congélateur? Non. Ah, c'est une blague. Oh. C'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Reprenez ça tout de suite. Oh. Pourquoi vous mettez un lutin farceur dans notre congélateur? Bon, écoutez, venez, je pense qu'on va avoir une explication, nous deux. Je vais peut-être pas appeler la police tout de suite. Je vais peut-être pas appeler la police tout de suite, d'abord on va avoir une explication, venez. Bon, déjà, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment vous êtes rentré dans notre maison. Ok, écoutez, parce que la porte était fermée. Je peux rien vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je peux rentrer dans les maisons. J'ai peut-être une explication. Chut, taisez-vous. J'ai peut-être une explication. Ils déposent des lutins farceurs chez nous pour nous surveiller. Des lutins farceurs qui vont nous faire des blagues. Des lutins farceurs qui vont nous gâcher la vie, qui vont nous faire des pranks. La porte était fermée. Vous êtes en train de réfléchir? Ça tombe, la personne que j'ai en face de moi, c'est le Père Noël. Ça tombe, il est rentré par la cheminée, comme on a une cheminée. Bon, écoutez, monsieur, je sais pas ce que vous voulez. Ça sert à rien de venir en déposer. On va tous les jeter à la poubelle. On n'en veut pas. L'année dernière, on en avait chez nous. Ils ont fait plein de bêtises. On a dû les enfermer dans notre machine à laver. On a dû s'en... Reprenez. Il en a combien dans... Mais ça, mais attends. Non, mais laisse. C'est une hotte. C'est la hotte. C'est ma hotte. Attendez, je vais vérifier un truc. Attends, les amis, mais qu'est-ce que le Père Noël viendrait faire à cette... Oh non, c'est une blague. Regardez. Comme par hasard.
La cheminée est ouverte. La cheminée est ouverte. C'est une blague. Non, monsieur, je sais qui vous êtes. Vous êtes le Père Noël. Non, non, je suis pas le Père Noël. Mais vous êtes le Père Noël, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que le Père Noël fait? C'est une blague. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu m'as reconnu alors. Allez, dehors. Non. Dehors. Bon. Allez, dépêchez-vous. On va au sous-sol. Je vais t'expliquer. Vous allez passer par le garage, vous allez partir d'ici. Alors, monsieur le Père Noël, vous êtes très gentil. Vous faites des cadeaux à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous venez chez nous à cette heure-là, en pleine journée, alors que normalement, le Père Noël, il arrive le soir. Voilà, il dépose des cadeaux, comme ça le lendemain matin on envoie. Et qu'est-ce que vous faites là à cette heure-là, en train de déposer des lutins farceurs? Tu m'as reconnu, Esteban. Et en plus, et celui-là, il est tout froid, il était dans le congélateur. Et non, mais ça veut dire que vous l'avez déposé il y a longtemps. Oui, je cachais des lutins un peu partout. Venez, on va s'expliquer. Bon, dites-nous la vérité, pourquoi vous êtes chez nous? Bon, je suis venu chez toi, Esteban, et Lily Rose. Oui, bah oui, Lily Rose. Pour déposer des petits lutins pour vous surveiller. C'est une blague? Non, parce que vous faites plein de bêtises et j'ai vu que des fois, hein, il y avait des plaintes de certaines personnes. Donc, en gros, vous êtes venu déposer des lutins farceurs pour nous surveiller, pour savoir si on mérite des cadeaux. Exactement. Ah, mais c'est horrible ça, parce que les lutins farceurs, vous savez très bien ce qu'ils font. Et ils se contentent pas de nous surveiller. Les lutins farceurs, ensuite, la nuit venue, quand c'est la nuit, ils font plein de bêtises. Oui. L'année dernière, il y en a un qui a coupé les poils de notre chat. Il y en a un, il a enroulé Peppa Pink avec du scotch. Il y en a un autre, il a tout vidé, tout ce qu'on avait dans notre frigo, il a tout vidé. C'est moi qui leur ai dit de faire ça. Mais pourquoi? Bah c'est eux qui font des bêtises, alors pas nous. Pour nous punir. Pour nous punir. Eh bah écoutez. J'en ai encore. Non mais vous avez. Non, mais il en a plein dans son sac, c'est une blague. Mais c'est rempli. Mais le sac, il est rempli de lutins farceurs. Et puis c'est pour alors, les autres enfants aussi. Je vais vous dire un truc très méchant. On veut pas de vos cadeaux cette année. Ah bon? Ouais, vous pouvez partir avec vos lutins. Si c'est comme ça, on veut pas de vos cadeaux. On va en trouver nous-mêmes des cadeaux. Ah ouais, ça sert à rien. Tu verras, ils ne sont pas que 4 ou 5. J'en ai mis déjà un peu partout. Il y en a déjà partout dans notre maison. Et oui, et là, ils sont mieux cachés. C'est une blague. Non. Non, c'est pas possible. Ah non, mais si on a plein dans la maison, moi, je vais pas pouvoir tenir. Ah bah tiens, il y en a un là. Oh non, tu l'as repéré celui-là. Mais il y en a partout. Allez, tenez, prenez ça. J'en ai marre. Partez d'ici. Les autres lutins. Partez d'ici, je veux plus vous voir. Je veux plus vous voir. Allez en poser chez le voisin. Et ça tombe, c'était pas un voleur chez le voisin. Ça tombe, c'était quelqu'un. Enfin, c'était le Père Noël qui a déposé plein de lutins. Vous êtes une catastrophe, monsieur le Père Noël. Je pensais pas que vous étiez méchant à ce point-là. Moi, je pensais que vous étiez très gentil. Et oh non, mais arrêtez. Au plomb. Oh, mais je rêve, il est en train d'en déposer partout. Bon, bah, de toute façon, je peux rien faire. Vous allez savoir re-rentrer par la cheminée. Bon, les amis, c'est bientôt Noël. Faites attention, soyez extrêmement sages pour les plus jeunes d'entre vous. Parce que les lutins farceurs commencent à tout regarder. Les bêtises des lutins farceurs vont bientôt commencer. S'il y en a chez vous, faites très très attention. Et même s'il n'y en a pas, faites attention. Peut-être qu'ils vous regardent, mais que vous ne les voyez pas. Donc, soyez sages. Bon allez, on se dit à la prochaine. Ciao.